Cher public du stade Léo Lagrange, les événements dramatiques que connaît notre pays auraient pu nous conduire à décider de reporter cette rencontre par respect pour la mémoire de celles et ceux qui sont décédés dans ces événements tragiques. Nous avons fait, avec les autorités locales, avec les autorités du football et les deux autres et l'autre club, nous avons fait un choix différent, celui de montrer que nous étions toujours debout et de jouer cette partie. Je ne doute pas qu'elle se déroulera dans le meilleur état d'esprit possible, qu'elle donnera l'image qui est celle d'un football qui réunit et qui rassemble. Avant que ne débute le jeu, je vous invite à observer une minute de silence à la mémoire de celles et ceux qui sont morts dans ces tragiques événements. Yeah.
Donc avec moi, Mickaël, Isabelle. Donc Mickaël, un très très bon match du Racing face à Jura Sud. On a vu dès la première mi-temps une équipe très offensive. Donc on a eu deux magnifiques buts de Steve Grand, notamment une belle frappe des 35 mètres. Sur la seconde période, ça a été un peu plus difficile. On a vu une équipe de Jura Sud plus offensive. Est-ce que vous pourriez me donner un peu vos impressions sur ce match? Bah c'est vrai, l'objectif c'était d'aller les chercher au début de match. Je pense qu'on a fait une bonne entame. On s'est procuré quelques situations où on aurait pu concrétiser avant de marquer notre premier but sur un pénalty. Mais derrière, on a continué notre jeu en première mi-temps en essayant d'aller les bousculer dans leur moitié de terrain. Et puis on réussit, Steve met un bon but pour doubler la mise. Je pense que la deuxième mi-temps, bien sûr, on s'attendait à une réaction de Jura Sud, c'est normal. Ils ont très bien joué en deuxième période. Nous, on a un peu moins sorti proprement les ballons pour jouer des contres en finissant mieux nos actions. Donc on n'était jamais à l'abri d'un but adverse. C'est ce qui est arrivé sur un pénalty également. Et puis sur la fin, avec les valeurs qui sont essentielles dans le football, la solidarité, l'envie, je pense qu'on a réussi à maintenir ce résultat jusqu'au bout. D'accord. Eh ben, merci. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Bon, alors avec moi, Steve Grand. Alors Steve, il faut le dire, t'as mis un but magnifique, on va dire à 35 mètres, belle frappe. Sur le moment, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu t'es dit, allez, je tente ma chance. Ouais, je vois Sofiane partir sur le côté gauche. Avec Robin, on avait parlé que justement, je rentrais pas assez sur mon pied droit. Et puis, à la vidéo, on voit que le gardien il est souvent avancé. Donc, je vois avancer. Je me pose pas de questions, j'enroule. Ça rentre tant mieux. Belle frappe, hein. Ouais, faut le dire, c'est très très beau but. Et sinon, alors, comment as-tu senti ton équipe là, sur ce match? On a fait une grosse première mi-temps, je pense. Après, en deuxième mi-temps, On a été solides, ils ne se sont pas procurés d'occasion. Ils marquent sur un pénalty qui est un petit peu litigieux à mon goût. Après, on a fait un match au coupe, on a fait ce qu'il fallait, on passe, c'est le principal. Et qu'est-ce que tu attends pour le prochain tour? C'est dur, soit une grosse écurie, soit une petite pour passer encore un tour. Ouais. Mais sinon, ouais, j'aimerais bien. Ouais, déjà pour le coach et les anciens qui sont là, Sochaux, s'ils sont passés ou Strasbourg, ça peut être intéressant. Après, on verra bien. On verra bien. Essentiel, c'est de passer. Ok, et ben merci Steve. Je te remercie. Donc avec moi Pascal Moulin, donc entraîneur de Jura Sud. Alors sur ce match, on a vu une équipe du Racing très offensive sur la première période. Vous prenez deux buts sur cette première période et sur la seconde, on voit une équipe de Jura Sud beaucoup plus dangereuse. Vous réduisez le score à 2-1 et malheureusement, il manque un peu de réel pour arriver à égaliser. Est-ce que vous pourriez me donner un peu vos impressions sur ce match? Oui, bah, je crois qu'on a été médiocre en première période et dans l'agressivité, dans les intentions. Dans l'envie, tout simplement. Et puis, Besançon a de la réussite, un pénalty généreux, un deuxième but. Je pense que c'est plutôt un centre raté, mais bon, s'il devient un très beau but. Mais bon, en même temps, c'est pas illogique, puisqu'on a été très faible. Et puis, en deuxième mi-temps, bon, on a montré un peu de réaction, mais jusqu'à ce qu'on revienne à 2-1, après, on s'est éteint, on n'a pas mis l'intensité qu'il fallait. Donc, automatiquement, en étant faible, c'est logique qu'on passe. À la casserole, comme on dit. D'accord. Merci. Merci.